Bonjour tout le monde, ici The Rock et aujourd'hui on se retrouve avec une autre vidéo sur ou avec les Trashers d'Atlanta, les gagnants de la Coupe Stanley. Et quelle façon pour cette équipe de revenir après, on va se dire, deux saisons où est-ce qu'on avait des attentes beaucoup plus élevées. On a perdu deux fois en première ronde, une fois contre le Phoenix et une fois contre les Coyotes, pardon, de l'Arizona, et l'autre contre les Blues, le Wild du Minnesota. Et là, bang! En 4 contre Dallas, en 4 contre l'Avalanche, en 6 contre les Blackhawks et en 5 contre les Maple Leafs de Toronto. Quelle façon pour cette équipe, des séries incroyables, une équipe incroyable. Et Anthony Mantha et Jacob Slavin, quelle acquisition du DG d'avoir été chercher ces deux gars-là. Tout simplement, parfait comme échange. Et Anthony Mantha, en plus, est encore signé. Si je vais voir les contrats avant de s'avancer dans la simulation, on va voir les bientôt expirés. On a Jesperi Kapanen qui ne veut pas re-signer. Baptiste non plus. Nichushkin veut re-signer, mais lui, je pense, il veut combien? Un contrat à deux volets, on peut clairement y donner. Asplund, même chose, un contrat à deux volets. On peut donner Baudouin, même chose, contrat à deux volets, excellent. Donc, tous ces joueurs-là veulent des contrats à deux volets, donc clairement, on leur donne. Tout le monde a signé, donc il nous reste seulement ces joueurs-là à signer. Et on a 11 millions de masse de place sur la marge salariale. Et tout le monde a signé. Donc, si je dis tout le monde, là, c'est littéralement au niveau des défenseurs. Effectif principal, on a encore Seth Jones, on a encore un peu Slaydom, on a encore Jacob Slavin. Et Slavin est... Regardez, là, on a encore Slavin pour plusieurs années. À 8.2, c'est cher. C'est cher, vous allez me dire. Effectivement, c'est cher. Mais on peut toujours l'échanger si on voit qu'on a possibilité d'aller chercher meilleur ailleurs. Matt Fern, qui est encore là pour deux années, pour une autre année avec son petit contrat. Deux années avec son petit contrat. Il y a Cole Hardjew qui est encore là. Timmins, lui, clairement, on pourrait échanger Timmins. En 4.8, coûte très très cher, même s'il a connu une bonne saison et des bonnes séries avec 9 points en 33 matchs. Non, là on est en saison en série. Plus 11, 4 points en 19 matchs. Ça a été très solide, Timmins. Mais clairement, on pourrait chercher un remplaçant. Parce que si on regarde dans le système, on a Ickits qui est là, on a Menel, on a Drysdale qui va peut-être pouvoir le remplacer. Donc, à voir. Pour ce qui est des ailiers droits, on a Mantha encore signé pour quelques années. On a Lepiche aussi signé à 9 millions pour plusieurs années. Au niveau des ailiers gauches, Lafrenière signé encore plusieurs années. Même chose pour Nick Ritchie. Lui aussi, Nick Ritchie a quand même connu de très très bonnes séries. Avec 10 points en 19 matchs. Moins 2, mais quand même 10 points en 19 matchs. 6 buts, c'est bien. Delucky encore là avec son petit contrat. Nick Duke, même chose. Au niveau des centres, Crawford est signé encore une fois long term. Rockov n'est pas signé, mais il reste encore un an à son petit contrat. William Karlsson, beaucoup de gens veulent voir partir. Honnêtement, je serais ouvert à l'échanger. Donc, Karlsson et Timmins sont peut-être les deux joueurs qui devront partir à voir avec ce qu'on a de disponible au repêchage. Maintenant, simuler justement jusqu'au repêchage. Les Trashers ont gagné, les Stars, le club école des Stars a gagné dans les Minors, donc excellent. Allons jusqu'au repêchage. Montréal remporte, oh my god, Montréal a passé, avait le premier choix de, avait le premier choix de Washington, s'est ramassé de 12 à 2, ok. Et ils ont aussi celui de Tampa Bay, ils ont aussi le sixième. Montréal a trois choix dans les 11 premiers. Minnesota a le premier, le quatrième. Ben voyons donc là. Montréal et Minnesota clairement là, supérieurs. Afficher les joueurs retraités, ce qu'on en a dans notre équipe. Non mais Patrick Marleau s'en va, Phil Kessel s'en va, Ryan Getzlaf. C'est parti, le coco rasé. Justin Williams, Zach Parisey, Ilya Kovalchuk. Si près, Zach Parisey, si près des 1000 points. Brett Burns, James Neal, Chris Letang, Duncan Key, des gros défenseurs. Là, on a plusieurs pertes au niveau des défenseurs. Et du côté des Trashers, personne. Et au niveau des gardiens, personne. Excellent. On est au repêchage. Let's go, on embarque directement là-dedans. Pas de temps à perdre. Donc, personne ne veut donner son choix dans les 8 premiers.
Ok, donc on ne tradera certainement pas pour ça. Proposer un échange. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a de disponible pour ces joueurs-là. Oh, je vais peut-être essayer de trouver un échange et donner, mettons, Timmins, voir qu'est-ce que les gens m'offrent pour Timmins. Voyons voir. En plus, il y a quand même une bonne valeur. Il y a Kohardjou une moins bonne valeur que Timmins. C'est pour vous dire. Timmins, 84 overall, quand même. Le laissez faire. Quand Timmins est rendu à 84 overall, plus vraiment besoin d'aller changer. Là. Clairement, Drysdale. Il y a Kohardjou. Peut-être plus qu'il y a Kohardjou, mais on va laisser une chance. Laissez faire, là. Laissez faire. Pour Jacob Slavin, peut-être. Et voilà. Et si on fait trouver un échange, aucun échange trouvé, trouver un échange, aucun échange trouvé pour Jacob Slavin. Si je vais au centre, William Karlsson, trouver un échange, pas d'échange, trouver un échange, ok, on en a des échanges là. Anaheim donne son 15e overall et son premier l'année prochaine, donc deux choix de première ronde pour William Karlsson. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Modifier l'échange. On va voir là. Parce que Carlson n'a plus vraiment sa place dans l'équipe. On a des joueurs de centre qui peuvent venir prendre sa place, même s'il fit très bien sur la deuxième ligne. Je pense que, en plus, moins 6 cette saison. 55 points, c'est pas mauvais, mais moins 6 et en série, c'est 15 points en 19 matchs. Ça a été quand même bien, mais je pense que full move on de William Carlson. On peut trouver meilleur. Et deux choix de première ronde. Ok. Ok, mais j'aimerais peut-être ça. Quitter l'échange. On va voir quelque chose. Le 9e choix voulait être donné par les Oilers. Ou même le dixième choix des Red Wings. Le 10e choix des Red Wings. J'aime mieux l'échanger dans l'Est que dans l'Ouest, honnêtement. Les Trashers sont dans l'Est ou dans l'Ouest, je m'en souviens même plus. Je pense qu'ils sont dans l'Ouest. Bref. On est dans l'Ouest. Je suis mêlé. Et là, on donnerait centre William Karlsson contre le premier de Détroit, et là il y aurait, oh c'est parce qu'ils sont, ils dépassent vraiment la masse hein. Détroit a pas une bonne masse salariale. 4.8 à Monique, non. 4.9 de Kaiser, on peut prendre de Kaiser juste pour une question de salaire, de toute façon on le re-signera pas. William Karlsson, un premier, et ce que, surtout ce qui m'intéresse c'est, oh, ok, ils ont notre premier en plus de Anthony Mantha, c'est même trop vrai. Ce qui m'intéresse c'est le premier de l'année prochaine. Oh, ils n'ont pas leur premier de l'année prochaine. Laissez faire, les boys. Laissez faire. Deux choix de première ronde. Celui des Oilers, le 9e contre William Karlsson. Un 3e overall et un prospect de... qui est vraiment pas très bon. Donc, on vient d'échanger au Bouillon. My God. Franchise 80. Mario Bouillon. Mario fucking Bouillon, man. De nulle part, là, vient d'être drafté. Un jeu pour Moncton dans la LHGMQ. Il a obtenu 92 points en 60... match. Mario Bouillon. Et là, on a échangé Karlsson contre le 9e overall et le premier choix des Oilers l'année prochaine. Donc, clairement, bonne transaction. Simulé jusqu'au choix. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bons choix. Donc, on verra. Baker Elite, McDonald, Bradley, Sanford, donc le Wild, ok. Connolly, Mebus, Miura. Donc, clairement, là, il y a moyen de faire quelque chose. Faut juste sélectionner quelque chose qui a de l'allure, là. Carpenter, un défenseur Carpenter, 8 buts, 38 passes, plus 16, 25 minutes de jeu. Neal, 12 buts, 38 passes. Donc on a Carpenter, 8-38, et on a Jay Neal, 12-38, plus 5. Encore un défenseur, 11-38. Hale, un attaque à 38-40. Comrie, 16-43. 1-4, Hall, 21. Blaine, 8-16. Nikolishin, 7-4 plus 10, bof, wait, oh, quand même, le 6-13 plus 19. Quentin Waite, 6-13 plus 19, 13 minutes de jeu, j'apprécie beaucoup lui, là. Il est classé 18e, on est au 9e, là, on n'est pas, on va y aller pour, je pense que je vais y aller pour Jay Neal. 12 buts, 38 passes, plus 5, un défenseur. Come on, come on, come on, come on. Let's go, man! Let's go! Regardez ce que le Canadien a choisi. Connolly. Connolly avait quoi comme stats? 4-42, quoi, dans la LHGMQ. Dans la Ligue des États-Unis.
USHL, 66 overall, et on a hit un 76 overall. Let's go, man. Let's freaking go. Ok. On continue. Supis 1000. On va regarder encore les... Ok, c'est un gardien de but. Clairement, un gardien de but, ça pourrait, être pas... ça pourrait ne pas être mauvais. Un défenseur 9-8. 9-18. Pas mauvais encore. Plus 8. Vermette 5-20. Bof. Ciao. Trick, ciao. Eriksson, non. Nilsson. Un défenseur 1-8, une passe plus 7. Henrik Nilsson. Encore une fois, il a des bonnes stats. On va aller voir ce que ça a donné. Div top 4, bas 60 overall. Bon, rien d'incroyable. Troisième tour, après ça, on simule le reste du draft. César Daniel Buff. Aucun point. Myers, oh, Myers, 38-39 dans une E-League. Dans la LGMQ, 14-14, Buff. Ramsey, Buff. Hilbert, Buff. Plekanov, non, je vais y aller avec... c'est Talbot ou c'est Myers? Je vais y aller avec Myers. Rory Myers. Attaquant top 6 bas, let's go, quand même un bon choix là. Et on va simuler le reste du repêchage. Donc le 9e choix, 76 overall, Nilsson est bon aussi. On a quand même effectué de bonnes transactions, let's go là. Ok, avancé d'un jour, on s'en va signer nos joueurs. On n'a pas vraiment de signature à faire, clairement, on n'a vraiment pas de signature à faire. On a 7 millions de places sur notre masse salariale. Les gardiens, c'est fait. Askarov reste à son petit contrat, l'année prochaine va coûter cher. Allen reste, Gillies reste, Gittinger reste, et tout le monde parfait. Défenseur, Seth Jones est là, Elidom, Slavin, Fern, Timmins, Jocko, Harjo et Kitz. Tout le reste est signé, mais Neil veut pas signer, fait que bye bye. Neil, clairement, Neil va jouer cette année s'il peut. Il va probablement retourner dans les juniors. Smirnov ne veut pas signer, on va le qualifier. Novikov veut pas signer, on va le relâcher. Novikov, là, il n'y a aucune valeur. Nilsson, on va le signer, on va essayer de le faire jouer. Et c'est tout. Et les droits, Mantel signé. Kapanen ne veut pas signer. Combien qu'il veut? Oh, il veut juste 1.8 en plus. Il veut juste 1.8. Baptiste, bye bye. On va quand même essayer d'y donner, mettons, 2 ans. 2.5, et s'il veut pas 2 ans, 2.5, on va laisser aller, puis au pire, on le re-signera aux agents libres. Myers, attaquant top 6, clairement, on signe ça. Nesterov, non. Et pour le reste, non plus. Ailier gauche, tout le monde a signé, personne dans les Miners. Centre, personne a signé, donc avancé d'un jour, est-ce que Kapanen signe? Kapanen a rejeté. Excellent, Kapanen, pas trop avec ça, il veut tester le marché des agents libres. Je le comprends. De toute façon, on est en masque correct, donc simulé jusqu'aux agents libres. On va avoir 7 millions. 7 millions pour travailler. Et on va regarder les contrats et tout pour voir à quoi vont ressembler les lignes. Ok. Proposer un échange. Au niveau des défenseurs, on le sait que clairement, on est en masque correct. Et si jamais Drysdale est prêt, ben Jocko Harju sera le joueur à partir. Maintenant, au niveau des attaquants. Manta 92 overall, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Clairement, on a quand même besoin d'un à deux attaquants de profondeur. Je pense refaire les trios Crawford, Manta et Alex DeLucky. Clairement, ça risque d'être ça, les trios encore. Deuxième trio, là, on va voir. Parce que oui, je veux bien mettre le Pish et Rockov ensemble, mais sur le deuxième trio, Rockov et le Pish... ça ne fonctionne pas du tout. Mais pas du tout. Donc, ça prend quelqu'un. Et si on le met avec Lafrenière en plus, qui ne fit pas sur la deuxième, cette équipe-là et cette ligne-là a un moins deux. Mais on verra. Et ensuite de ça, on verra. Parfait. Donc, on a 7 millions. Il faut signer deux joueurs. Vraiment pas stressant. Deux DEP. En plus des joueurs d'un quatrième trio, on va aller voir. Donc, on n'a vraiment pas besoin de sauter sur des gros noms comme Mitch Marner, par exemple. Vraiment, mais vraiment pas besoin. UFA. On essaie de garder l'équipe... La plus exacte. Donc Alex Eve, un gardien prospect, let's go. Clairement. Défenseur, on essaie de checker s'il n'y a pas des défenseurs qui auraient tombé. Défenseur moyen, Div top 4, 68 overall, ben oui, pourquoi pas, let's go. Jazz. Ailier droit, rien. Ailier gauche, rien. Et centre, il y a attaquant top 6, Slater. Let's go. Bon. Au niveau des attaquants, voyons voir maintenant qui on a de disponible. Marner, Patrick Kane, Colin White, tous des joueurs qu'on a vraiment pas besoin.
Patrick Kane fit sur la première, Marner fit sur la quatrième, Brad Marchand fit sur la quatrième, Barbashev aucune, Yanni Gourde 6 meilleurs, Joe Thornton à 44 ans, my god, il continue d'être dominant là. Joe Thornton 87 overall, Connect Knee devant Rack. On va y aller avec un centre, clairement un centre. Roslovich, non, c'est cher un peu. Radek Faxa fit sur la quatrième ligne d'attaque. Radek Faxa pourrait être excellent là. Peut-être pas le meilleur en face-off. 82 overall, c'est bon. Brian Little, 6 moins bonne ligne. Tage Thompson pourrait être très très bon. Le coûte rien en plus. Pas tant des bonnes stats par exemple. Non, j'aime pas vraiment ses stats. JT Comfort trop cher, Beauvillier trop cher, Lowry. Adam Lowry, Koivu. Brian Little par exemple, non, il est très vieux Brian Little. Dylan Gamble, 4ème ligne d'attaque. Brian Rust, 6 meilleur. Simmons, on n'a pas d'évaluation. Clairement, j'adore Radek Faxa. 2 millions pour un joueur qui fait quand même bien. Moins 32 l'année passée avec LA, mais LA a été vraiment mauvais là. Qu'est-ce qu'il fait comme stats défensives? Quasiment plus d'interceptions, beaucoup de mises en échec. Radek Faxa pour le centre de 4ème. 2 ans, 2.2 pour Radek, devrait accepter. Et ailier gauche, on va checker, on va regarder voir s'il n'y a pas des ailiers gauches intéressants. 1.2, GVR, non, GVR clairement pas. Boone Jenner, Michael Ferlin. Agitateur, ah, il fit pas. C'est le premier joueur qui fit le plus possible. Fit dans toutes les lignes. Toutes les lignes d'attaque, Adam Ernie, ok. Adam Ernie a un choix intéressant. Arturi Lehkonen, aucune ligne. Bye bye, Killorn, Lawson Kraus. Quatrième ligne d'attaque, ok. Ailier droit. Mikhaïev. 6 moins bonnes lignes et toutes les lignes d'infériorité numérique. 83 overall, Mikhaïev, c'est quoi ses stats? J'adore ses stats de désavantage numérique. J'adore ses stats all around. Le Ilya Mikhaïev m'intéresse beaucoup. Et à 2.8, 83 overall, j'apprécie beaucoup le prix. 2 ans, 3.3 millions pour Mikhaïev et ça devrait faire le tour pour ce qui est des attaquants. Donc, simulé jusqu'à la prochaine saison, on devrait être en mesure de signer tout le monde. Colorado a échangé Orlov. Washington a échangé Orlov au Colorado, un choix de première, my god. Tyson Berry à LA contre Marchessault à Boston, quel échange. Alexeyev a accepté, Jass a accepté, Slater a accepté, good job. Faxa a accepté, Mikhaïev a accepté. Clairement, vous venez avec l'équipe qui vient de gagner la coupe, clairement. Donc, on se retrouve pour le début de la saison. Washington se fait encore un premier choix et il vous envoie Backstrom à Buffalo. Donc, Washington est en mode vente, là, littéralement, là. On se sont fait deux premiers choix. C'est très solide. Là, nous autres, on a le choix des Oilers. Donc, faut que les Oilers aillent une mauvaise équipe. Là. C'est l'objectif. Là. Ça serait parfait. Là. On a tellement de demandes d'échange. Maintenant, c'est le temps de nommer des capitaines pour cette équipe. On va tout ôter ça. Et clairement, je pense qu'il y en a un par-dessus tout le monde qui mérite de loin le capitaine. Il est là depuis le début. Ce n'est pas Seth Jones. Ce n'est pas Lafrenière. Ce n'est pas Rakov. Jerry Crawford, la moustache, clairement mérite le capitaine. Il est là depuis le début. Bravo pour le capitaine. Maintenant, pour ce qui est de l'assistant, Itil est là depuis le début. Anthony Manta a prouvé qu'il pouvait le faire aussi. Mais je pense que clairement, ça en prend un à la défensive. Seth Jones, l'assistant, et le deuxième sera Anthony Manta. Il vient d'arriver, mais il a déjà un impact solide. Donc, Rakov et Lepich, pas d'assistant pour l'instant. On verra pour la suite. Et on est au début de la saison, donc composition. Voyons voir. Gardien de but. Askarov, 89 overall avec son petit contrat. Donc, Askarov est rendu très dominant à 22 ans seulement. Et dans le système, bon, on a Gillies, Oettinger et Alexeyev. Au niveau des défenseurs, Seth Jones, Slavin, Lindholm, Matt Fern, 85 overall toujours, let's go. Timmins, Yoko Haju et Ickits. Et dans le système, on a Ickits, on a Drysdale qui est là. Ok, Drysdale veut jouer, a besoin de temps de jeu. Et il est quel côté Drysdale? Droitier, donc clairement, Yoko Haju va devoir partir. Yoko Haju
va devoir partir. À moins que Drysdale ne fit vraiment pas avec le coach là. Chose que je ne sais vraiment pas. Ok. Ailier droit maintenant. Manta, le pitch 89 overall. Ok. Mikhaïev et Nichushkin. Je pense pas que Nichushkin, on va en avoir de besoin dans le système. Nichushkin, Dawi, Hayes et Myers. Allez, gauche. Lafrenière, 89 overall avec Alex Delucky, 87 overall. Nick Ritchie, Nick Duke. Et dans le système, on a Asplund. Au niveau des centres, Rockov, 88, Crawford, Rossi, Itil et Radek Faxa. Et on a un joueur. Modifier les lignes. Autre changement. Est-ce qu'on a un joueur. Est-ce que j'ai signé un joueur de trop, moi, par hasard? Attaquant. J'ai effectivement signé un putain de joueur de trop. Donc, Radek Faxa est peut-être de trop. Nick Ritchie aussi. On verra quel joueur le coach va mettre sur le banc. Oups, mon erreur. Je pensais. J'ai mal compté. Je suis pas capable de compter jusqu'à 12. Donc, voilà ce que je parlais là. Clairement, on veut retrouver le plus 3. Oh! Ça fait quand même un plus 1. Never mind. Voilà notre équipe. Clairement, là, voilà notre équipe. Delucky, Crawford, Mata. C'est un 95, un 94 et un 90. Avec 90 Lafrenière, 89 Rockov, 90 Lepiche. 84 Itil, 84 Rossi, 83 Duke, 84 Ritchie, 83 Faxa, 84 Mikhaïev. Donc, on a mis sur le banc. Drysdale est sur le banc. What the hell? Et en défensive, on a mis. What the hell? Ok, c'est ça. Yoko Haju, mais si je remplace Yoko Haju par Drysdale. C'est bon, on n'a pas d'attaquant de plus. Drysdale fit pas vraiment, là. Drysdale fit sur la première. On pourrait avoir un plus 3 sur la première, mais ne fit pas. On veut quand même Slavin, Fern avec Fern comme ça. Oh! On va y aller comme ça. Timmins, Seth Jones, Drysdale et Fern. On va y aller comme ça pour l'instant. Je sais que Fern, son rôle, c'est top 4, mais clairement, son rôle, c'est désavantage numérique, Matt Fern. Donc, il va jouer partout en désavantage numérique. On irait comme ça. Lidon, Slavin, Timmins, Seth Jones pour avoir les plus 3, plus 3. Donc, on a un 89-89. 87-93. Et on a Drysdale et Matt Fern. Et si je remplace Drysdale par Yoko Haju, est-ce qu'on a un plus 1? On a un plus 1. Donc peut-être que finalement Drysdale devrait être le joueur qui devrait partir. Même si je sais que ça me fait le cœur de dire ça, parce qu'à 22 ans, il a quand même un bon potentiel. Et c'est un défenseur offensif. Mais je pense juste qu'il ne fit pas sur les lignes, à part sur la première ligne. Donc je vais attendre de voir ce que vous me dites. Si vous me dites, écoute, Drysdale, faut qu'il joue. On peut pas l'échanger, il y a un bon potentiel. On le met à la place, mettons, de Slavin. Et on va chercher un plus 3. Totalement d'accord. On va le faire. On va échanger peut-être Slavin contre un... Peut-être échanger Slavin contre un meilleur défenseur, je sais pas. Ou échanger Slavin contre des joueurs repêchage. Pour l'instant, ça ressemble à ça notre équipe. Dites-moi ce que vous en pensez. Et au niveau de la AHL, on a un plus 3 ici. Steen, on a des joueurs qui ont pas rapport, là. Mais on va signer d'autres joueurs. Smirnov, excellent. Nabokov, excellent pour l'équipe AHL. Donc, dernière chose avant qu'on se quitte. On va aller voir les lignes. Non, en fait, on va... Ouais, c'est ça qu'on va faire. Un instant. Je me mélange dans les menus NHL, pas facile. Gestion d'équipe. Propose un échange. On a le premier choix d'une équipe cette année. Et clairement, je veux voir à quoi ressemble cette équipe-là. Les Oilers d'Edmonton. Voyons voir. Au niveau des gardiens, les Oilers ont un 81 overall Ullmark. Ça, c'est pas fort. Défenseur. Son classement général. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas si pire les défenseurs. Et à l'attaque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Clairement pas si pire, les Oilers. Pourraient être une très bonne équipe et sont classés comme étant prétendantes. Donc, on a leur premier choix. Pas sûr que ça va être super bon, mais en tout cas, c'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter sur les lignes qu'est-ce qu'on fait. Je vais attendre vos commentaires avant d'enregistrer la prochaine. J'espère que vous avez aimé. Partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye.